Eh bien, bonjour à tous et bonjour à toi, Philippe. Donc, j'ai Bonjour Véronique. l'honneur d'interviewer Philippe Eknat, qui est un enseignant spirituel et qui travaille aussi sur l'éveil. Et donc, en ce moment, hein, je mène des interviews un peu moins sur l'aspect thérapeutique des choses, hein, comment on travaille en thérapie, mais plutôt sur la verticalité. Parce que c'est mon chemin personnel déjà, et que je disais très dernièrement dans mes dernières conférences, c'est combien, moi qui travaille sur la relation amoureuse, combien ça peut être vraiment important d'aller travailler sur la verticalité. Tu diras ce que c'est, enfin, tu développeras ce que c'est que l'éveil et la verticalité pour toi, et combien ça peut être la cessation radicale à la croyance, je vais manquer d'amour, par exemple, ou à toutes les peurs. Et donc, je t'invite parce que j'aimerais vraiment que tu développes cette question autour de en quoi c'est vraiment important d'aller cerner hein, ce qu'est la notion d'éveil ou de spiritualité, de verticalité dans cette histoire avec les relations amoureuses et de ces imaginaires romantiques qu'on se fait. Et puis, le titre de cette vidéo, et je te laisse la parole tout de suite, c'est... quand le jeu du couple ne suffit plus, c'est quelque chose comme ça, et que parce que personne n'existe en fait. Hein. Donc juste, est-ce que tu veux dire deux, trois mots sur toi par rapport à ton parcours, juste avant de développer pourquoi est-ce que c'est si important de jouer le jeu du couple sans se prendre les pieds dedans parce que personne n'existe? Est-ce que tu peux, t'as envie de nous dire deux, trois choses sur toi? Moi, je sais que j'admire beaucoup ton travail, hein, donc j'aime bien ta précision, ta clarté, ta pédagogie. Bien, déjà, merci beaucoup Véronique pour cette invitation, pour cette interview. Et pour me présenter, ça va être un petit peu difficile parce que ça dépend justement sur quoi on se base pour s'identifier, à quoi s'identifie-t-on. Donc, est-ce que je m'identifie à ce corps, ce personnage, ce mental, ces émotions, ces perceptions corporelles, ou bien y a-t-il autre chose? Et donc là, tout est la question et on va pouvoir en parler. Bientôt. Et simplement, bah, pour répondre de manière, on va dire, relative et concrète dans ce monde, dans cette incarnation, donc Philippe Eknat a depuis de nombreuses années organisé des rencontres avec des maîtres de sagesse, des enseignants spirituels sur Paris. En fait, ces maîtres eux-mêmes m'ont invité à partager il y a plus de 7 ans maintenant, et c'est ce qui se fait donc à travers des rencontres Zoom virtuelles, mais aussi en présentiel de temps en temps, en balade en forêt, etc. Donc pour la présentation, après il faudrait des questions plus précises, mais pour l'instant c'est ce qui Ça vient. suffit. J'aime bien ta manière de te présenter parce que déjà, dès le départ, au cœur du sujet, j'entends le je ne suis pas ce personnage qui a joué un rôle, qui a une fonction Bien sûr. sociale, qui s'appelle comme ça. Mais en fait, c'est comme si tu nous dis déjà, d'ores et déjà en introduction, bah oui, ok, je peux me montrer comme ça à vous, mais je sais que je ne suis pas ça. Donc on Je ne est suis déjà pas sous que là. cela. Je ne suis pas que cela. Je ne suis pas Pourquoi que ça. pas que cela? Parce que il n'y a pas à le rejeter non plus. Ce corps, cet esprit, ce mental, ça fait partie de ce qui est. Et donc il n'y a pas à le nier parce que parfois on entend cela. Je ne suis pas le corps, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Mais ça apparaît, c'est aussi la réalité. Et ce corps, cet esprit, ce mental est tissé de conscience comme nous tous, comme tout ce qui apparaît dans cette manifestation. Donc il n'y a pas à le regarder de loin ou carrément le nier. Pour moi, c'est au contraire très important de l'intégrer dans le tout. Et oui, non, c'est très juste. Mais alors pour notre public qui n'est pas forcément averti ou initié sur les questions de la. Les enseignements non duels ou de la verticalité ou de la spiritualité, juste de voir de l'endroit d'où tu parles, parce que souvent tu parles du personnel, ou moi je dis souvent le profil de personnalité, Oui, hein, voilà, qu'on tout appelle le à fait. personnage, et
C'est bien que tu puisses développer un peu cette notion d'identification. On se prend pour notre profil, on ne sait même pas d'ailleurs qu'on se prend pour notre profil de Tout à fait. personnalité. Moi, j'ai écrit un bouquin là-dessus, hein, sur les profils amoureux, en étant simplement dans, voilà, retrouvez votre profil et regardez le profil de l'autre pour mieux vous cerner. Tu vois, mais ça, c'est petit 1. Mais après, c'est important d'aller beaucoup plus loin que simplement de se connaître, de connaître son fonctionnement. C'est une chose. Mais cette histoire de se désidentifier, c'est-à-dire de faire un pas de côté, est extrêmement, mais plus que magique, quoi. Est-ce que tu peux nous développer ce Oui, sujet? bien sûr, merci pour cette présentation. Effectivement, on est habitué depuis l'enfance à se prendre pour le personnage, ce que tu appelles le profil. En fait, les parents, de manière naturelle, en tout cas sociétale, disent, ce que tu vois là dans la glace, c'est toi. Et donc au début, le bébé, il comprend même pas les mots, mais au fur et à mesure, il y a cette intégration que l'image qu'il voit dans le miroir, c'est lui. Or, c'est déjà faux. C'est un petit peu comme la pipe sur cette peinture. Ceci n'est pas une pipe. C'est réellement pas une pipe, puisque ce n'est que le dessin d'une pipe. Eh bien, dans le miroir, c'est exactement la même chose. Ce n'est pas moi. C'est juste mon reflet, le reflet de ce corps. Et effectivement, on a cette habitude, peu à peu, de se prendre pour un corps, un mental et les émotions qui vont avec. Et effectivement, à un moment donné, on voit qu'il n'est pas obligatoire de s'identifier, de se prendre pour cela, qu'il y a une autre, comme tu disais, possibilité de se désidentifier et de voir qu'il y a un autre espace, cet Ça. espace de conscience, en fait, qui est libre de l'attachement au corps, libre de l'attachement aux émotions, au mental, mais sans avoir à nouveau à le rejeter. Constater que là où apparaît le corps, les pensées et les émotions, c'est un espace vierge qui embrasse tout ce qui apparaît. Et juste, en fait, il y a un petit exercice éventuellement à proposer. C'est de retourner son attention au lieu de retourner, d'avoir toujours l'attention sur les objets, sur l'extérieur, sur donc le monde, c'est Ouais. de retourner vers le sujet qui perçoit et d'où cette perception apparaît, dans quel espace, dans quelle conscience, et de remarquer en fait que cet espace, on peut l'observer, le voir comme un champ de conscience ouvert qui laisse tout apparaître sans aucune distinction, toutes les variations, tous les éventails des possibilités et toutes les dualités. Il n'y a pas de préférence. Ce champ de conscience que nous sommes, au-delà de la personne, accepte tout. La preuve, c'est que tout ce qui apparaît, apparaît. Oui, c'est quand on parle aussi de brancher le témoin. Tu vois, le témoin, c'est en méditation, c'est la partie simplement qui est observatrice, neutre, et qui observe tout ce qui apparaît, pensée, émotion, sensation. Donc, c'est ça dont tu parles, je pense. D'une certaine manière, oui, mais pas que. Parce que le Ouais. témoin, on peut s'identifier au témoin également. Et donc, se retrouver un petit peu décroché du personnage, non identifié, mais par contre, on peut s'identifier au témoin. Et donc, c'est plus la même identification. On a une identification plus large, mais finalement, ça reste une identification. On va se prendre pour le plus vaste. Et il peut y avoir un ego spirituel qui naît de cela, en se disant je ne suis pas ce corps, je suis libre de tout, des pensées, des émotions, etc. Et on va peut-être pas rentrer dans le sujet, mais ça peut être un écueil et qu'on rencontre régulièrement. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, moi, je t'avais vu lors d'une séance Zoom avec un groupe et je t'avais dit, tu sais, tu m'avais super, mais c'est pour ça que je t'avais dit, tiens, je vais faire appel à toi parce que tu m'avais répondu de manière très juste. Parce que comme je branche le témoin assez régulièrement, cette pratique de retournement, je le fais au moins, je ne sais pas, 10-15 fois par jour. Au lieu d'aller vers regarder le monde extérieur, de là vers le monde, bah, je pratique de, voilà, je suis.
Enfin, la conscience observe, le témoin observe les émotions, les sensations, les couleurs, les sons, tout ce qui apparaît, quoi. Et du coup, c'est vrai que ça crée un espace, je te le confirme, dans la pratique, un espace vaste, comme si, tu vois, les choses viennent par là, vers moi, au lieu que ça va vers là. Donc, c'est vraiment, faites l'exercice parce que c'est vraiment, vraiment incroyable. On ne vit pas les choses de la même manière si on fait ce travail de retournement ou si on voit les choses de là vers le monde extérieur. Oui, tu veux dire un truc? Et effectivement, en fait, c'est un exercice très intéressant parce que il nous déconditionne à ne regarder les choses que dans un sens. Tout à Donc, fait. c'est un très, très bel exercice de pouvoir retourner son attention et se voir en tant que ce qui laisse tout apparaître. Mais si on reste là, on Ouais, est un petit peu décollé, d'une ah certaine manière, aussi du principe de réalité et de la relativité de ce qui se passe dans la vie concrète du personnage. Et donc, en fait, il y a après une sorte d'équilibre qui se trouve, naturellement, il n'y a rien à forcer, entre l'identification complète au personnage et au non-personnage, à l'informel, au transcendant, qui, si on se décolle en arrière-plan, en témoin, eh bien, le fait justement d'être seulement témoin, on n'est plus impliqué, on n'est plus incarné de la manière juste des choses pour ne pas rejeter la souffrance, les difficultés que peut vivre le personnage. Le personnage vit des troubles et c'est avec bienveillance qu'on peut à ce moment-là, quand on a la compréhension double, qu'on n'est pas que ce personnage, mais également ce qui le transcende. Eh bien d'accueillir avec beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus d'empathie, de patience, tout ce qui remonte de ce personnage. Un petit peu comme une amie qu'on entendrait toquer à la porte, elle n'est pas bien, elle est souffrante, et on la laisse rentrer, s'installer sur le canapé, mais on regarde sa montre pour se dire, mais quand est-ce qu'elle va partir finalement, cette amie souffrante, elle me dérange. Alors que c'est nous-mêmes, cette propre amie, cet ami, il faut être le meilleur ami pour soi-même en invitant cette souffrance autant de temps qu'elle a besoin, en comprenant que je ne suis pas la souffrance. Cette souffrance apparaît. Et dans les relations, c'est pareil. C'est de voir que la personne en face, s'il y a des troubles, elle n'est pas la souffrance. Il y a de la souffrance. Et simplement d'être accueil de cette souffrance, d'entendre ce que cette souffrance a à dire dans les conflits, dans les relations, pour pouvoir simplement se poser, non pas que en tant que témoin détaché et en laissant les autres souffrir, mais au contraire d'être vraiment là, vraiment présent, non plus en tant qu'ego personnage, non pas non plus en tant que juste je suis au-delà de tout et rien ne m'atteint, mais un entre-deux ouvert. Et ça me fait rire parce que justement, ce que tu dis là, ce que tu développes, je t'avais posé la question, puisque moi, à force de pratiquer ce travail de retournement, et je sais, je ne suis ni ceci, ni cela, et je le sais, parce que je l'ai compris, puis je l'ai vécu aussi Bien bah, sûr. dans une séquence d'éveil. Donc, quand tu sais que tu n'es pas ni la personnalité, ni les pensées, ni les émotions, ni tout ce qui apparaît, en fait, effectivement, après, je me disais, tu sais, j'avais dit, mais moi, des fois, j'ai des attaques de panique. Et donc, il y a des moments, je ne contrôle pas. Et je me dis, un moment de crise, je me dis, mais je suis ni ceci, ni cela, donc je ne devrais pas souffrir. Mais en fait, non, ça augmente ma souffrance parce que c'est comme si je m'exige de moi. D'être libre de tout, de plus souffrir parce que j'ai compris le truc. Mais en fait, c'est ça l'ego spirituel. C'est bien que tu le dises et tu m'avais dit d'ailleurs, sois indulgente avec la partie, avec l'ego qui souffre en fait, qui s'identifie et qui croit vraiment que la peur c'est grave, que je suis en danger de mort, que tu vois. Parce que quand je suis dedans, je suis vraiment dans l'incarnation et se dire je suis ni ceci ni cela au niveau conceptuel, d'ailleurs, ça marche pas et c'est pas aidant. Et tu as tout Tout à à fait raison fait. de dire que c'est la compassion, l'indulgence, la bienveillance qui peut aider à ce moment-là. Merci de rappeler cette conversation que nous avions eue. Mais effectivement, si on fait que rejeter
cette souffrance en lui disant mais je ne veux pas te voir puisque tu n'existes pas, comme elle n'est pas entendue, qu'est-ce qu'elle va faire? Parce que si elle n'existait pas, il n'y aurait même pas besoin de lui dire tu n'existes pas ou je ne veux pas te voir ou faire ce geste de la repousser, bien sûr intérieurement. Mais la preuve, si on fait ce geste, c'est bien qu'il y a quelque chose qui est là. Donc cette Ouais. souffrance, elle est bien réelle pour le personnage. Donc de simplement ne pas la nier, l'accueillir pour ce qu'elle est, et c'est bien normal que le personnage, l'ego, soit en trouble avec les temps difficiles que nous pouvons vivre à tout niveau, dans les conflits, dans les relations, dans le monde. C'est quand même bien normal que le personnage soit souffrant par moment. C'est pas une souffrance permanente, mais cette souffrance, elle est bien réelle pour le personnage. Donc, il n'y a pas à la nier. Oui, et justement, puisque le titre de notre interview, c'est Vive le jeu du couple, c'est-à-dire je jouais le jeu, hein, de vraiment aller et plonger dans l'histoire de la relation amoureuse, si c'est la relation amoureuse ou la relation, mais sans se prendre les pieds dedans, parce que quand même, c'est quand même vachement aidant, je trouve, d'apprendre à se désidentifier aussi, à savoir qu'on peut sortir de l'identification et quand personne n'existe, c'est-à-dire à un moment donné, c'est parce que les deux sont intéressants. C'est à la fois plonger dans l'incarnation et plonger dans le jeu de la relation et y croire, mais sur un fond d'unité, c'est-à-dire sans y croire vraiment. Ça aussi, c'est aidant. Et j'aimerais que tu développes aussi cette partie de personne n'existe, mais on existe, mais on n'existe pas, tu vois. Alors, en fait, ce qui est proposé ici, c'est pas d'avoir des croyances, croyances qu'il y a un personnage ou croyances qu'il n'y en a pas, mais juste d'être avec l'évidente simplicité de ce qui apparaît, pour que ce soit une expérience vécue et non Ouais. pas juste un concept qu'on essaye d'agripper, d'attraper ou de simplement de croire parce qu'il y a quelqu'un en qui on a confiance qui nous le dit. C'est vraiment de le ressentir par soi-même. Donc, dans la relation, de constater qu'en fait, cet autre corps qui est en fait, il n'est pas en face. Il est justement, il fait partie de la même apparition, de la même, du même surgissement dans notre conscience. Il y a juste le cerveau qui interprète la distance, la séparation. Mais ce n'est qu'une image projetée sur l'étoile sur la toile du mental. Donc en fait, il n'y a pas d'autre. Il y a juste l'image que le cerveau se fait de l'autre et de soi-même, hein, comme on rappelle ce qu'on avait au niveau du miroir en face de soi. En fait, ce n'est qu'une image. Et donc cet autre, on a l'impression qu'il est autre que parce que le cerveau a été façonné pour le croire. Donc à un moment donné, quand on voit que cet autre n'est pas autre, qu'il est juste la même conscience que nous sommes, qui est au-delà des personnages. Donc oui, sur le plan relatif, il y a le jeu du couple, le jeu de la relation, relation amoureuse, relation dans le conflit, relation aussi quand on est seul, parce que on cherche un autre alors qu'on est seul. Donc il y a malgré tout un autre potentiel qui est en espérance. Et donc, c'est de prendre conscience qu'en fait, ce n'est que dans notre mental que tous ces jeux apparaissent. Ouais. Jeux avec EUX, mais jeux JE également. Tout cela apparaît dans le mental, dans le personnage, en fonction de nos conditionnements, de nos attentes et de nos préférences. Maintenant, quand on a vu que ce que nous sommes n'est pas que cela, n'est pas que ce mental, ce personnage, cet ego, ce profil, comme tu le disais, et que nous sommes cet espace d'accueil plus large, eh bien, on se retrouve au même endroit. Il n'y a pas à s'unir avec quelqu'un, il n'y a pas à chercher la fusion, parce que nous sommes déjà un avec l'autre, parce qu'il n'y a pas d'autre. Nous sommes la même conscience. Voilà. Et Ouais. ce qui fait Et ça, que c'est révolutionnaire, ça, pour ceux qui nous entendent. C'est important que tu le. Ouais, ça, c'est carrément magique, tu vois, de pouvoir expérimenter. Tu as raison de parler d'expérience, parce que ça ne peut pas être juste un concept.
Sinon, les gens, ils vont dire, mais ils sont allumés, ceux-là, ils parlent de quoi? Il n'y a personne en face, il y a quelqu'un, mais il n'y a personne. Tout apparaît dans le champ de la conscience. Ça, c'est quand on a vraiment expérimenté, pigé ça, mais et intégré, c'est fou, quoi. Parce que, par exemple, je crois manquer d'un autre, donc je vais fusionner, enfin, j'appelle à la fusion. Mais ça cesse, quoi. Enfin, tu peux continuer si tu as envie, mais tu n'es pas obligé de continuer à croire que tu manques d'amour. Et c'est bien, je suis vraiment contente que tu puisses continuer d'expliquer ça pour que les gens puissent, ça soit accessible, tu vois. Bien En sûr, fait, il n'y a pas tant un autre que ça. Bah oui, quelque part, on voit quelque... Moi, je te vois là, tu es derrière mon écran, mais je peux aussi arrêter d'imaginer ça. Parce que si je vois que tout apparaît, c'est dans mon cerveau, ça, ton image apparaît, ta voix apparaît, voilà, il y a plein de choses qui apparaissent dans mon champ, mais c'est ma conscience qui observe tout ça, en fait. Il n'y a que mon expérience, en fait, le reste n'existe pas quelque part. Et en fait, effectivement, on se retrouve là où justement on est avant toutes les apparitions. Là où surgissent les formes, les couleurs, les pensées, les émotions, les sensations. De là où tout cela surgit, nous sommes déjà connectés. C'est même pas le mot, puisque pour être connecté, il faudrait être séparé. Ouais. Donc nous ne sommes un, on se retrouve à cet endroit-là parce que nous sommes tissés de la même conscience. Et effectivement, tu parlais du manque, et c'est tout à fait justifié pour le personnage, puisque dans tous les idéaux, les images d'Épinal, en tout cas, il y a cet instinct d'essayer de trouver sa moitié, de s'unir, de se marier, de fonder une famille et d'être heureux avec un autre. Et effectivement, déjà, si on voit que tout cela, et il n'y a rien de négatif, hein, dans mes propos, mais ce sont des histoires, dans le sens où tout cela apparaît dans le mental, dans la société. Et ce n'est pas un mal. On a très bien le droit d'aller dans cette direction, mais au moins de constater que c'est une histoire, c'est une apparition. Il y C'est a des ça. gens qui sont tout à fait heureux, entre guillemets, seuls, et qui ne cherchent pas et qui n'ont pas de manque. Mais pour celui où il y a le manque qui apparaît, on peut tout à fait effectivement commencer à regarder que ce n'est qu'une apparition, que ce manque est une apparition au sein de notre propre conscience, et que en laissant ce manque prendre de l'importance, en se cristallisant dessus, il va y avoir de la culpabilité, parce que je ne suis pas assez bien, je ne suis pas aimable, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela, et je ne suis pas assez beau, je ne suis pas bon. Et du coup, il y a tout un jeu à nouveau de l'ego qui va faire que finalement on n'est pas bien avec soi-même, et quand on n'est pas bien avec soi-même, ben, on n'attire pas l'autre, entre Ouais, guillemets. Et complètement. donc, le manque va appeler le manque. Alors que si au contraire, on constate que ce manque n'est qu'une apparition, qu'on n'est pas obligé d'y croire, on n'est pas obligé d'y souscrire, ce que nous sommes, ce qui laisse apparaître ce manque dans notre vie, est déjà comblé. Parce que d'où surgit ce manque? De cette conscience. La conscience, elle fait apparaître aussi bien le manque que la satisfaction. Et donc, ce que je suis n'est pas celui qui manque, ni celui qui est satisfait. Ce que je suis est celui qui permet à tout d'apparaître, aussi bien le manque que la satisfaction. Et donc, de pouvoir embrasser le personnage souffrant du manque, mais en étant conscient que ce n'est juste qu'une pensée, et qu'à un moment donné, cette pensée, elle disparaît, elle n'est pas présente à chaque instant. Et donc de ne pas y souscrire, ne pas y croire, simplement C'est ça. constater, la laisser apparaître, puis disparaître. Et de même, quand on cherche dans la relation à vivre intensément l'union, la fusion, etc., c'est très beau. Il y a aussi tout ce qui est tantrisme, polyamour, etc. Tout ça apparaît. Et ça a bien le droit d'apparaître, puisque c'est là. Simplement de constater que l'ego spirituel aussi, mais l'ego tout court,
va essayer de trouver quelque chose là-dedans. Et en essayant de trouver dans ces pratiques-là une satisfaction, une réalisation, des expériences, ça veut dire qu'il confirme justement qu'il manque de cela. Tout à fait. Il manque de cela parce que il le cherche ailleurs, il le cherche chez un autre. Alors que il est tout à fait possible, tout en jouant le jeu de la relation et du jeu, c'est de remarquer qu'en fait, nous sommes déjà pleinement comblés, au-delà de toutes nos espérances, par le fait que ce que nous sommes est au-delà de tous les états, au-delà de tous les manques, au-delà de toutes les satisfactions. Et une fois qu'on a vu cela, on ne va pas chercher un autre pour être heureux. On va constater que le bonheur est déjà là. Et c'est complètement vrai. Et partager le bonheur avec l'autre, le bonheur de l'autre, ce sont non plus deux manques qui se rencontrent, Ça, c'est vrai. mais deux comblés, deux pleins Ouais. qui vont pouvoir partager ensemble la plénitude. C'est vraiment exactement ça. C'est très très juste d'en arriver là, tu vois, mais c'est vrai que c'est un chemin de pouvoir le comprendre et puis ensuite de faire l'expérience par ce type de pratique de retourne-toi vers toi, regarde, je crois que tu existes, enfin j'ai l'impression que tu existes et sur un certain plan, bah oui, moi je suis séparée, toi tu es séparée et je te donne corps en fait. Et je joue avec toi un jeu romantique ou un jeu sensationnel fusionnel ou un jeu, tu sais, dans le tantrisme, on fait des pratiques de sexualité mystique, tu vois, donc intense, des expériences intenses. Mais tout ça, de nouveau, tu le dis très justement, ce sont encore des choses qui apparaissent dans tu sais, dans la conscience. Et on pourrait croire que, hop, ça y est, j'ai vécu une relation fusionnelle intense et donc ça y est, je vais agripper le pompon. Tu vois. Ça y est, je suis réalisée, j'ai trouvé un truc. Mais en fait, c'est encore l'ego et souvent l'ego spirituel même. Bien sûr. J'ai l'impression que j'ai trouvé un truc, mais non, c'est juste, sinon ça crée une addiction pour pouvoir y retourner, etc. Donc c'est encore un piège de l'ego, ça. Et oui, et justement, tu viens de le dire très très justement, j'ai réalisé cette expérience, que ce soit une expérience d'éveil, d'intensité dans la relation, dans le couple, dans la sexualité, toutes ces choses-là, je les ai réalisées. Donc ce je, c'est bien quelqu'un. Et donc c'est bien ce personnage qui s'approprie C'est ces ça. expériences. Et malgré tout, il va dire, ah oui, mais je ne suis pas identifié à cela. Mais si, juste dans les faits, le fait de se dire réalisé, de se dire éveillé, de se dire j'ai vécu telle expérience, c'est Là, c'est déjà qu'il y a parfait. besoin d'en parler. Ça a déjà été rattrapé, accaparé par l'ego spirituel. Parce que si on vit une expérience très bien, il y a aucun mal. Il y a des expériences magnifiques d'ouverture de cœur, d'amour inconditionnel, de sentiments, de ressenti de non-séparation, d'unité, etc., etc. Mais ce sont des expériences qui apparaissent au sein de la conscience, comme toutes les autres expériences. Donc elles n'ont pas plus de valeur que les autres. Contrairement à ce que le milieu spirituel laisse entendre, c'est juste une expérience. Et ce que nous sommes, et ce qui est au-delà de toutes les expériences, au-delà d'une expérience d'éveil ou d'une expérience de souffrance. En fait, c'est au sein de la même conscience que cela apparaît. Et le fait de le piger ou de le réaliser, c'est-à-dire de reconnaître ce que tu viens de dire, permet justement cette compréhension. Enfin, c'est une compréhension quand même, hein. C'est une expérience, mais en même temps, c'est une compréhension. C'est les deux à la fois. À la fois, ça doit être vécu. Je ne suis pas ceci, pas cela. C'est toujours tout apparaît dans le champ de ma conscience. Donc, je ne m'approprie pas, je ne m'accroche pas à une expérience plus qu'une autre. Il y a souffrance, il y a plaisir, il y a intensité, il y a même éveil spirituel. Mais voilà, ça apparaît. C'est pas ni mieux, ni point, ni plus. C'est ce qui apparaît. Et le fait de piger que je ne suis pas, c'est toujours au-delà, presque on ne pourrait même pas l'appréhender, ce quoi qui est au-delà de tout ce qui apparaît. Tu vois, On tu ne es peut pas vraiment. l'appréhender. Donc, Ben oui, c'est effectivement, ça. C'est on ne comment peut pas pouvoir. l'appréhender C'est ça le parce truc, quoi. que
c'est au-delà de ce qui est percevable, c'est au-delà du mental, c'est au-delà de toutes les expériences. Et donc c'est pour ça que ce n'est pas une chose à réaliser, ce n'est pas une expérience qui va pouvoir nous y emmener, c'est cela que nous sommes avant même la naissance et après la mort du On corps. appelle le soi, c'est ce que Jung appelait le soi. On peut l'appeler comme on le veut. Après, effectivement, il y a tout plein de mots. Est-ce que nous sommes au-delà de tous les mots, justement? Et même la conscience est une apparition. La conscience pure, la conscience, pour ceux qui connaissent un petit peu l'Advaita, peut-être pas beaucoup dans ton auditorium, pardon, au sein des spectateurs, mais l'Advaita propose le Satchitananda. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Ce sont donc l'existence, la présence et la béatitude. Eh bien, en fait, cela apparaît. Le je suis, l'existence, être n'est pas la seule réalité. Être et non-être. Je suis, je ne suis pas. En fait, la conscience n'est qu'une facette de la réalité. Un petit peu comme la matière, l'antimatière, c'est un petit peu réducteur ce que je dis là, parce que c'est juste pour donner une vision matière-antimatière. Les deux apparaissent au sein de quelque chose qui ne peut pas être vu. Donc, ce que nous sommes n'est pas quelque chose qui va être entendable, connaissable. Connaissable, C'est expérimental. ineffable. Ouais. C'est ineffable. Et c'est pour ça que j'ai du mal un petit peu À le à décrire. l'exprimer, parce que Ouais. c'est au-delà des mots. Ouais. Par contre, il peut y en avoir une évidence. C'est même plus une expérience, mais cette évidence que tout cela qui apparaît n'est pas suffisant pour nous définir. Là, tu es sur le mystère de la vie. Et souvent, on dit dans le sommeil profond, tu sais, pourtant, tu vois, on compare des fois dans le sommeil profond, on dit, ben oui, mais on continue d'exister dans le sens, puisque tu te réveilles. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses de l'histoire du sommeil profond, où on n'a pas conscience sauf dans le rêve, mais pourtant, il y a quelque chose qui continue d'exister. Oui, ça continue d'exister. Et par exemple, quand on dit j'ai bien dormi, pourtant, effectivement, dans le sommeil profond, on n'a pas conscience de dormir. Non. Et malgré tout, il y a ce ressenti d'avoir bien ou mal dormi. C'est bien qu'il y a il y a une forme de conscience qui est quand même présente C'est ça. de manière ténue et qui montre qu'il n'y a pas rien. Ouais. Il y a malgré tout conscience, même dans le sommeil profond. Oui, c'est ça. Ouais. Et ça rejoint un petit peu cette question finalement qu'on peut se poser à un moment donné, c'est pourquoi y a-t-il quelque chose C'est plutôt que ça. rien? C'est ça, C'est bonne que question. parce que on va se dire, mais finalement, bah, tout ça, c'est très beau, mais c'est simplement c'est pas la preuve, mais parce que ce serait encore du mental de dire qu'il y a une preuve de quelque chose. Mais tout cela surgit, toute cette manifestation surgit, le personnage, ses idées, ses pensées, etc., ses expériences, tout surgit. Et la preuve que ça existe, puisque ça surgit. Bon, ce n'est pas une illusion, comme dans certains enseignements dont on entend parler. L'illusion, ce n'est pas ce qui surgit. C'est de croire que c'est la seule réalité. C'est ça l'illusion, c'est de croire que c'est la seule réalité. Ah. Mais puisque ça surgit, il y a bien quelque chose, c'est pas le mot, mais ça surgit bien de quelque part, d'une forme de conscience ultime, d'un absolu. Sinon, il n'y aurait rien et on ne serait même pas là pour se poser la question. à fait. Le mystère de la vie, c'est quoi? Alors, on est au cœur de. C'est vrai que c'est des questions qui sont aujourd'hui beaucoup étudiées, y compris pas que dans la spiritualité, mais aussi dans les sciences aussi. C'est Bien quoi le sûr. mystère de la vie? La physique quantique. Beaucoup qui s'occupent, qui s'intéressent à cette question.
Et puisqu'on est sur le vivre le jeu du couple sans qu'il y ait personne, sans qu'on s'identifie, sans s'identifier, en fait, hein, ce qu'on dit souvent dans le tantrisme, c'est aller dans le jeu, hein, vivre totalement le jeu de la vie, donc ce que tu proposes aussi, c'est-à-dire d'aller s'incarner totalement et vivre tout ce qu'on a à vivre pleinement, mais sans s'identifier sur un fond d'unité, sur un fond où on n'adhère pas complètement au personnage, parce que sinon, on va vraiment alimenter la souffrance pour pas grand-chose, pour pas grand-chose, pour grand-chose. Mais bon, des fois, c'est pas la peine de se rajouter des couches de souffrance quand on peut s'en éviter, je pense. Voilà. Ça, c'est l'idée. Et puis, je voulais avoir ton avis sur la question du libre arbitre, justement. Ça, c'est aussi une question un peu métaphysique de tous les siècles, hein, des philosophes. Mais quid des missions de vie, tu sais, de la singularité, de notre personnalité, en fait, et de notre possible choix, direction. Donc, certains enseignants vont dire, ah ben non, on est complètement conditionnés, et donc, voilà, soyez tranquilles parce que vous n'avez aucun choix. Donc, du coup, ça apaise, hein, quelque part, de savoir qu'on n'a aucun choix. Et puis, d'autres vont dire, ben non, on a un infime, il y a plein de conditionnements, certes, mais on a quand même une possibilité d'avoir du libre arbitre. Je ne sais pas si tu en penses quoi. Oui, merci pour la question. Simplement, il y a des expériences qui ont été faites scientifiquement pour essayer d'avoir déjà un aperçu sur le libre arbitre, en tout cas les organes de décision au sein du cerveau. Et ben, simplement, par exemple, il était demandé à des sujets de cette expérience d'appuyer sur un bouton lorsqu'il y avait une image qui leur plaisait ou pas, je me rappelle plus exactement de l'expérience, et tous les mouvements en fait étaient les mouvements au niveau du cerveau étaient Enregistré. enregistrés par IRM. Ouais, je m'en Et rappelle. donc très clairement en fait il était mesuré que le mouvement commençait pour aller appuyer sur le bouton avant même que les zones du cerveau, qui sont les zones de la volonté, de la décision, ne soient activées. Comme si en fait l'action était antérieure à la décision. Et donc finalement, c'est tout le conditionnement, tout l'environnement qui fait se mouvoir et qu'ensuite l'ego, le mental, a l'impression de décider. Et donc, avec cette compréhension, c'est de constater que oui, dans les vies de tous les jours, le personnage doit prendre des décisions et se met en mouvement. Mais c'est qu'une impression de décision. Parce que si quelqu'un le connaît très bien, connaît tout le contexte, pourrait dire exactement dans quelle direction il va aller. Parce que s'il a tous les éléments internes et externe, l'environnement intérieur, extérieur, eh bien, on va savoir exactement où ça va mener. Donc, effectivement, on peut constater qu'il n'y a pas un vrai libre arbitre, que ce conditionnement naît effectivement de l'éducation qu'on a reçue, de nos préférences, de nos gènes, de l'époque, etc. Alors, à quel endroit on aurait un pouvoir décisionnel? Simplement dans la croyance que le mental peut avoir du recul par rapport à la situation présente. Or, en fait, il est toujours en retard. Parce que, un petit peu à l'image des étoiles que l'on voit, lorsque la lumière nous arrive, l'étoile est peut-être déjà morte. C'est toujours du passé. Donc, d'une certaine manière, quand le personnage prend conscience de quelque chose, ce qu'il a vu, c'est déjà passé. C'est pour ça qu'il ne peut même pas être ici et maintenant, Ah oui, c'est parce aussi. que il est toujours dépassé, il est toujours en retard. Et ce n'est pas grave, parce que c'est juste le personnage qui est en retard. Ce que nous sommes n'est pas réduit à être le personnage constamment en retard par rapport à la réalité. Ce que nous sommes est au-delà de tout ça, sans bien sûr se séparer de ce qui apparaît malgré tout. Donc, pour terminer, c'est sur le libre arbitre.
Et en fait, on peut continuer à jouer le rôle sans dire, bah, puisque je suis responsable de rien, alors je peux tout faire et n'importe quoi. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est encore une idée du mental. Et donc, ça montre que justement, on n'est pas libre puisque ce genre d'idées apparaissent. Et du coup, est-ce qu'on va les suivre ou pas? Ça Oui, dépend de notre propre conditionnement. Parce que essayons par exemple de ne rien faire. ah oui, de rester allongé sur On le canapé du s'allonge, matin au soir. voilà, on s'allonge sur le lit de matin au soir et on va voir si vraiment il n'y a rien qui va se faire. Peut-être qu'au bout d'une heure ou deux, il y aura peut-être l'envie d'aller aux toilettes ou l'envie d'aller ouvrir le frigo. Et donc finalement, c'est pas vrai, il n'y a pas rien qui se fait. Tout se fait, mais sans qu'il y ait un moi auteur décisionnaire totalement indépendant de son environnement et non, on est complètement dépendant de tout, mais c'est pas un mal. Ça peut enlever du coup toute la culpabilité qu'on croit avoir sur tel ou tel sujet. Juste constater que les mouvements apparaissent comme les idées, comme les émotions et ça va dans telle ou telle direction et on continue à jouer le rôle qu'on a à jouer. Du mieux qu'on peut. Là, tu es vraiment sur le point. Je suis ni ceci ni cela. À chaque fois, revenir sur ni cette pensée, ni cette croyance, ni cette émotion, ni cette expérience. Et ça, c'est vrai que faut pouvoir s'en souvenir parce que bon, moi, je sais que je travaille depuis des années là-dessus. Hein, c'est la non-dualité, la vision tantrique qui m'a permis d'aller là. Je crois que c'était Abhinav Gupta qui disait ça, non, c'est ça, ni ceci ni cela, et je suis tout ceci et tout cela, et entre les deux, la vie passe. Il me semble que c'était lui. Oui, tout à fait. Mais effectivement, simplement de dire, parce que ça peut être une pratique que l'on emploie, dire je ne suis ni ceci ni cela, c'est bien. Mais c'est une pratique qui effectivement n'est pas suffisante, parce que je suis ceci et cela aussi. Ben Donc ce retournement d'abord, effectivement, de constater que on n'est pas que ceci, on n'est pas que cela. Donc, dans un premier temps, effectivement, dire je suis ni ceci ni cela peut être aidant pour prendre conscience qu'il y a autre chose qui oui. existe, autre chose que le corps, l'émotionnel, la pensée, et de constater que une fois qu'on a enlevé tous les repères, toutes les croyances d'être ceci ou d'être cela, une fois que tous les repères sont tombés, qu'est-ce qui reste? Et une fois qu'on a vu ce qui reste, qui n'est pas visible, hein, c'est là où la limite des mots apparaissent, c'est que une fois qu'on a vu cela, il n'y a plus besoin de l'outil ni ceci ni cela. On est juste simple et tranquille avec ce qui apparaît. Et on n'a plus à rejeter les choses en disant non, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela indéfiniment. C'est juste un outil. Ouais, tout à fait. Donc ça paraît. Et bon, je reviens sur l'histoire de la relation puisque c'est quand même mon sujet ici. Bien sûr. Toi, de par des pratiques quand même, parce qu'au début, ça ne se fait pas tout seul, toi. Ça, des expériences et des pratiques de retournement, et à un moment donné, voilà, ce qui apparaît est là, et il y a beaucoup moins de ce que je disais, de croyance au manque. Il me manque, j'ai besoin d'aimer, d'être aimé, donc d'alimenter la souffrance du manque d'amour, de partir dans chercher la bonne personne, de continuer à construire l'imaginaire romantique avec la garantie de sécurité que quelqu'un va me donner de la sécurité ou je vais trouver de la sécurité à travers un couple, à travers une famille, enfin des trucs comme ça, tu vois, parce que ça, c'est quand même hyper ordinaire et hyper fréquent. Et moi, la majeure partie des gens qui me consultent, ils sont sur ces sujets quand même, hein. Bien sûr. Et donc, ça peut être vraiment, vraiment aidant de travailler sur ce travail, enfin, d'aller dans ce travail de désidentification, hein, de ce qu'on appelle l'arrière-plan, c'est-à-dire d'aller rencontrer le soi, d'aller rencontrer cet espace sans limite où tout apparaît pour pouvoir cesser d'alimenter ce type de croyance ou d'imaginaire, puisqu'on part dans le futur aussi, ou dans le passé et le futur, mais du coup, ça crée énormément de mental qui dysfonctionne quelque part. J'aimerais bien vraiment que tu continues à développer un peu là-dessus, parce que moi, je l'explique avec mes mots,
Mais je trouve que comme tu l'expliques tellement bien, ça peut Mais, donner des éclairages aussi aux autres. merci. Mais d'une certaine manière, quand on a vu que tout ce qui apparaît, toutes ces histoires du mental, effectivement, tous les manques dans la relation, dans la projection, comme tu disais, soit dans le passé, d'une relation qui nous manque, ou la projection dans le futur d'une relation qu'on voudrait avoir et créer. Et quand on constate que tout ça ne sont que des histoires du mental, même si c'est émotionnellement important, il n'y a pas forcément une pratique pour faire apparaître le témoin et fuir, en fait, dans cet espace d'arrière-plan, où il n'y a pas d'ego, où il n'y a pas de personnage, mais ce n'est pas la vie non plus. C'est juste, ça peut être une fuite d'une certaine manière. Donc l'idée n'est pas de fuir constamment dès qu'on voit ces choses apparaître, de remarquer que dans le personnage, il y a ces choses, ces besoins, ces projections, ces manques, et de constater que ce que nous sommes est déjà comblé. Ne pas le constater avec le mental, mais constater physiquement C'est vrai ça. dans sa chair, qu'en fait, si on se pose maintenant, qu'est-ce qui manque? Là, si on retire toutes les croyances, toutes les idées, tous les repères, qu'est-ce qui manque maintenant? Dans l'instant, en général, hein, peut-être pour quelqu'un, il y aura, ah ben il me manque ceci ou cela, mais dans l'instant, quand on se pose dans cette parenthèse de bienveillance avec soi-même, si on répond honnêtement, il n'y a rien qui manque. Dès que réapparaît le mental et le personnage, effectivement, et les repères, effectivement, l'autre nous manque, le disparu, le décédé nous manque, l'amoureux nous manque. Mais c'est juste une projection dans le mental. Et il n'y a pas de mal à ça. Comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas à nier ça. Mais effectivement, avoir la possibilité de prendre quelques instants par moment, de s'asseoir, c'est un bien grand mot, on n'est même pas obligé de s'asseoir, mais simplement prendre conscience que je suis, nous sommes tous déjà cela. C'est-à-dire ce qui est comblé, ce qui est déjà éveillé, ce qui est déjà réalisé. Il n'y a pas à le trouver demain, il n'y a pas à chercher l'amour demain. Nous sommes amour. Nous sommes cela qui permet à l'amour de s'exprimer et nous sommes l'amour lui-même. C'est presque une méditation que tu nous fais là en direct. Et c'est joliment dit parce que c'est vrai que moi, dans mon expérience, hein, depuis que j'ai vraiment saisi et intégré cette question, parce que tu décris, ben, il y a cette joie d'être qui apparaît, et je suis comblée ou contentée sans forcément... qu'un amoureux soit là, ou qu'il y en ait un qui m'appelle, ou que j'ai une bonne sexualité, n'importe quoi, tu vois, qui pourrait apparaître, qui pourrait faire que ce soit encore plus hop. Mais en fait, non, je peux simplement. C'est cette connexion à l'être, en fait, tu vois, d'être dans la joie d'être, simplement, et donc d'être dans la simplicité, et de pouvoir se contenter des petits riens du quotidien. Et après, si l'imaginaire romantique réapparaît, par exemple, il réapparaît. Mais voilà, c'est pas obligé t'agripper à ça non plus. Je pense que ça, c'est vraiment essentiel, ce que ta manière de décrire ou de préciser comment on peut vraiment revenir vers soi et être vraiment dans cette certitude, enfin de l'expérimenter, de l'éprouver vraiment. Je suis déjà comblée parce que j'ai pas besoin d'un autre, en fait. J'ai pas besoin de cette, enfin, je peux garder cet imaginaire si je le veux. S'il ne me fait pas souffrir, ça va, mais quand il est souffrant, ces projections mentales, cet imaginaire romantique, cet imaginaire, il me manque quelque chose, je ne suis pas obligée de le conserver parce que c'est être, c'est juste la joie d'être en fait.
Oui, tout à fait, cette joie d'être, cette joie même sans objet, c'est-à-dire la joie qui ne vient pas de l'autre, qui ne vient pas d'un objet physique, mais non plus d'une personne, la joie simplement d'être, elle peut effectivement apparaître quand on a vu que ce que nous sommes est au-delà de toutes ces attentes, de tous ces manques, de toutes ces projections. Mais à nouveau, j'insiste, je pense que c'est important de ne pas les rejeter. Si ces manques et ces projections sont là, elles ont aussi une raison d'être. Et donc d'être conscient que de les rejeter, ce n'est pas une solution. Et donc de prendre le temps qu'il faut pour les accueillir, peut-être depuis l'espace où on se sent justement déjà comblé. Et pour cela, effectivement, de prendre du temps à être avec un groupe. Avec des personnes qui ont cette joie d'être, ça peut favoriser le fait de ressentir cette possibilité en soi, si ce n'est pas naturel, si ce n'est pas une évidence pour soi, simplement de partager des instants où on se pose simplement, pas forcément en parlant, juste en étant présent ensemble et pas forcément dans la même pièce. Ça peut être par vidéo interposée, par contact virtuel. Eh bien, malgré tout, il y a quelque chose qui passe, parce que c'est au-delà du temps, au-delà de l'espace, cette présence peut être partagée. Et là, tu vois, parce que là, c'est, tu es dans la voix du cœur, là, tu vois, quand tu parles. C'est la voix de celui qui embrasse, ou d'accueillir, de prendre dans les bras. Et là, c'est la voix du cœur et la voix de la bienveillance, la compassion, qui est, pour moi, il y a les deux axes. Tu as à la fois la verticalité, je ne suis pas identifiée, je sais que je ne suis pas ça. Et à la fois, cette voix du cœur, qui est la voix de l'amour aussi, qui est, et cet amour qui est moins fixé sur un objet à l'extérieur, bon, c'est aussi l'amour de soi, mais c'est l'amour au sens compassionnel, quoi. Enfin, il me semble, c'est ça dont tu parles. Oui, en fait, comme on le disait tout à l'heure, on est l'amour. C'est ce que nous sommes, c'est notre composante. Donc, une fois que c'est reconnu que c'est cela que nous sommes, alors ça rayonne. Et on ne peut pas empêcher cela de rayonner. On ne peut pas, c'est un petit peu comme les rayons du soleil, ils vont chauffer tous ceux qui sont autour. C'est pas une décision du soleil, c'est naturel pour lui de rayonner. Et donc, une fois qu'on a vu que ce que nous sommes, c'est cela, cet amour, alors le partage de cet amour, de ce rayonnement, de cette présence est bienfaisante. Et en fait, il n'y a pas un exercice pour l'atteindre. C'est Non, déjà ce que nous c'est déjà sommes. là. Mais c'est vrai que quand on n'en a jamais entendu parler, quand on n'a jamais eu l'occasion de le ressentir, eh bien, le fait d'être en groupe ou de rencontrer quelqu'un qui le porte, eh bien, ça peut aider de le voir en soi-même. Bon, bah écoute, en tout cas, merci pour tous ces développements, ces éclairages, avec la personne que tu es, avec toute ta bienveillance que tu dégages, et cette précision aussi dans les concepts qui ne sont pas simples en plus, hein, à expliquer quand on n'est pas quand on baigne pas dans ce milieu. C'est toujours un peu complexe à transmettre. Et moi, je trouve que tu le fais de manière extrêmement accessible et avec beaucoup, beaucoup de bienveillance. Donc, bah, je sais que si vous voulez le retrouver, Philippe, je mettrai le lien sur son blog qui est Éveil et Conscience, hein, c'est ça? Et Oui, c'est l'association Éveil et Conscience. l'association Éveil Conscience. Éveil Conscience. Et on peut te trouver aussi soit dans des sessions de groupe ou dans des sessions individuelles d'accompagnement. Voilà. À fait. Merci vraiment à nouveau, Véronique, pour ta disponibilité et pour l'attachement que tu portes à cette compréhension qui dépasse les mots. Voilà, Bah, c'est merci. tellement aidant. Moi, mon intention, c'est vraiment d'aider au plus proche ceux qui souffrent tellement, parce que j'en vois tellement des. Bon, déjà, ça a été mon cas, puis je vois tellement de gens qui souffrent. Je me dis, mais si on peut les aider, ça serait vraiment merveilleux, quoi. Enfin, voilà, c'est l'intention, tout. Tout à fait. Merci à Merci nouveau. à toi.